Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chère Séverine, cher Yuri, cher Delphine, cher Gordon. Alors mercredi donc 4 novembre, profitant des derniers jours d'automne, vous êtes allé vous promener au bord du canal comme nous sommes nombreux à le faire ici. Et comme toujours dans les moments de sérénité, il y a des choses qui nous échappent et l'imprévisible est arrivé. Gordon a chuté dans le canal. Alors j'imagine votre panique, l'effroi, d'autant que vous ne savez pas nager. Non. Voilà, donc c'est de toute façon, je crois savoir, même quand on est parent, même si on a le moyen matériel d'intervenir, on est souvent figé par... par la panique, et c'est quelque chose que je peux comprendre parce que ça nous parle à tous. On a tous été dans des situations où nos proches étaient parfois en situation délicate et on perd souvent ses moyens et c'est tout à fait humain. Alors, effectivement, dans cet accident, vous ne trouviez pas trop loin du pont du canal, si j'ai bien compris, et vous avez appelé au secours. Et si votre appel n'a pas été entendu par tout le monde, parce qu'il faut aussi dire, il a surtout été entendu par Yuri et par Séverine. Par Séverine, qui a demandé de l'aide, et les gens ne pouvaient pas l'aider. Voilà, c'est un... Séverine m'a demandé ce qui s'est passé. Voilà, et effectivement, vous vous êtes, vous, manifesté, et puis les gens, comme souvent, indifférence, qu'est-ce que c'est, vous savez, quand quelqu'un s'exprime... Vous prenez, j'étais transparente, mais ils ne réagissaient pas. Personne n'a réagissait. On est dans une société, sans faire de parallèle, mais où on se retrouve effectivement et avec un certain égoïsme, une inquiétude aussi des fois de dire, tiens, quelqu'un qui m'interpelle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les gens comprennent? J'en sais rien. Mais bon, il a quand même fallu un certain temps, mais relativement court quand même, les secondes paraissent des heures dans ces cas-là, j'imagine. Et donc, Yuri... on dit n'écoutant que son courage. Je crois que dans ces moments-là, on n'écoute rien, on fait. Et après, on se pose des questions éventuellement, mais ça ne retire en rien au courage et à la beauté du geste. Donc Yuri est allé carrément se plonger dans le canal pour aller chercher Gordon, qui déjà... n'était plus tout à fait conscient, j'imagine que la maman était totalement désespérée. Et l'eau ne devait pas être si chaude que ça, j'imagine, mais je crois qu'il s'est pas posé la question tout de suite, Yuri. Il a sorti le petit Gordon, Séverine est arrivée, et donc l'un et l'autre, je crois que c'est surtout vous qui avez pratiqué le bouche à bouche et faire le... Voilà, et grâce à vous, donc, on voit que l'émotion est encore là. Arrêtez, parce que ça ne va pas être facile pour nous tous non plus. Et je crois qu'il y a eu un moment où Gordon s'est réveillé, tout simplement. Et il avait un peu froid. Et les pompiers sont arrivés sur cette entrefaite-là. Et tout est bien qui finit bien. Mais comme l'a dit le lieutenant de Russe, que je tiens à citer, lieutenant des pompiers, on a la chance que toute la chaîne des secours ait bien fonctionné. Mais la première des chaînes, c'est celle du citoyen, parce que les pompiers, il leur faut le temps d'arriver, bien évidemment, et on sait que dans une problématique de noyade, chaque seconde compte. Voilà, chaque seconde compte, vous avez raison, très clairement, c'est Yuri et Séverine qui ont sauvé Gordon. Les pompiers sont arrivés dans les temps normaux, mais s'il n'y avait pas eu votre intervention, ça aurait pu être un peu plus complet, j'ai élargi à partir de cet événement. On voit combien il est important que chacun et chacune ait connaissance. Alors je ne sais pas comment vous allez appeler à faire le bouche à bouche, je ne vous en demanderai pas plus, mais on le voit faire, il y a des techniques à apprendre, et c'est vrai qu'en général en France on n'est pas si au top de ça. Donc je me pose une question, excuse-moi, je vais peut-être te piéger, David. J'aimerais bien qu'on réfléchisse dans le cadre des TAP avec le monde enseignant. À une initiation au premier geste de secours. Je peux vous donner la solution, on l'a appris quand j'ai passé mon permis moto. Eh bien voilà. Ah oui, ça fait partie des... Enfin, ça ne fait pas partie de toutes les auto-écoles, mais comme c'était subventionné par,
par la ville et cette donc, voilà. L'idée, puisque nous, notre domaine d'intervention, ça peut être le monde scolaire, c'est peut-être de voir si ça peut, si c'est adapté à l'âge des enfants dans le cadre de la sensibilisation, parce que, encore une fois, quand on peut intervenir au plus près de l'événement, dans des situations comme celle-ci, les premiers gestes sont essentiels. La fierté est bien, c'est plutôt vos proches, parce qu'en général, on est rarement fiers de ce qu'on a fait. C'est souvent nos proches qui sont fiers de ce qu'on a fait. Et je crois qu'ils peuvent l'être, en effet. Donc pour cela, je vous en remercie. Et symboliquement, je vais vous remettre la médaille de la vie. Par galanterie, je commence par Séverine, même si dans l'ordre, c'est vous qui avez commencé. Hein. Donc je vous offre, au nom de la ville, de l'ensemble de la municipalité, donc la médaille de la vie. Encore une fois, c'est un symbole, mais je crois que c'est lourd et de... Mais non, mais... bon, je vais vous faire la bise, comme ça vous arrêterez de tourner, mais est-ce qu'il s'est bien rasé ce matin? Voilà, félicitations, et je crois qu'on peut l'applaudir. Oui, je fais de même. Qui s'est réchauffé bien depuis. Oui. Hein, je sais qu'il y avait des gens qui, c'est compréhensible, qui grelottaient sur le bord du canal. Yuri, donc, dans le même état d'esprit, je vous offre, vous voyez, mais bon, on verra bien, la médaille de la ville, encore une fois, pour en témoignage de la reconnaissance de la société, de la mairie, pour votre acte courageux et dévoué. Félicitations. Merci, monsieur.